Définissez votre pourquoi. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler de motivation et de votre pourquoi. Je vous retrouve juste après le jingle. Bonjour, aujourd'hui je me trouve dans une des îles des Canaries, l'île de Grande Canarie, dans un décor somptueux. Donc là aujourd'hui j'ai fait une journée balade avec mon fils et on se trouve à 2000 mètres d'altitude dans un endroit vraiment sympathique. C'est des moments que j'aime bien, c'est des moments que j'aime beaucoup, les voyages, les vacances, partager du temps avec la famille. Et c'est un bon moment pour vous parler justement de motivation et de votre pourquoi en fait. Pourquoi faire de l'immobilier ? Alors, c'est très important de connaître votre pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez investir. C'est cela qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de réaliser vos investissements sur le long terme et surtout qui va vous permettre d'être efficace et d'arriver à vos objectifs. Parce qu'en fait, on peut faire de l'immobilier pour différentes raisons, mais faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier, juste pour faire de l'immobilier, ça n'a pas de sens. On a tous un objectif, on a tous un objectif de vie et l'immobilier, c'est vraiment un moyen de réaliser ces objectifs de vie. Moi, personnellement, mon objectif de vie, eh bien, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime, c'est de passer du temps en famille, c'est de voyager, c'est de découvrir de nouveaux horizons, c'est de partager ça avec mes proches. Et c'est la vision que j'ai eue il y a quelques années quand j'ai commencé à investir et surtout quand j'ai commencé à être papa, en fait, à avoir mon premier enfant. C'est là que ça a commencé, cette vision. Et donc je me suis dit, il faut que je construise ma vie, et l'immobilier, c'était pour moi à cette époque le moyen le plus efficace pour y arriver. Donc vous aussi, c'est pareil, trouvez votre motivation, votre pourquoi, ce qui vous anime, ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous permettra jour après jour de construire les choses. Si vous avez vraiment un pourquoi solide, donc c'est important de s'interroger, de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, vers où on veut avancer, comment on veut remplir ses journées, comment on veut remplir ses semaines, comment on veut remplir ses années. Est-ce qu'on veut avoir du temps pour soi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut contribuer à certaines choses? Est-ce qu'on veut aider des personnes? Donc tout cela, on va pouvoir le faire si on a une certaine liberté, une certaine aisance financière. Et l'immobilier, c'est un moyen d'y arriver. Donc j'imagine que vous avez vous aussi des objectifs. Je vous invite à les partager en dessous de la vidéo. Dites-moi ce qui vous anime, dites-moi ce qui vous pousse aujourd'hui à trouver de l'intérêt à investir, qu'est-ce qui vous pousse à changer votre vie, à construire des revenus et surtout à dégager du temps grâce à l'immobilier, car c'est ça ce qui est important, c'est que ça permet de dégager des revenus, mais surtout du temps, et ce temps on peut le consacrer à des choses qui sont importantes dans notre vie. Ça y est. Voilà, donc je vous invite à partager ça sous la vidéo. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être comme moi, passer du temps en famille, ça peut être avoir du fun, voyager, découvrir des choses, préparer, léguer quelque chose à ses enfants, ça peut être contribuer à une cause importante, ça peut être aider des proches, aider des gens qu'on aime. Il y a vraiment beaucoup de motivation et beaucoup de choses très positives qui peuvent vous aider justement au jour le jour à atteindre vos objectifs. Parce qu'en fait, votre pourquoi, c'est quelque chose de très puissant, c'est une émotion qu'on a au fond de soi, et cette émotion, elle permet d'aller plus loin, elle permet de se surpasser, elle permet d'être plus persévérant et de savoir, en fait, quand on sait où on va, on n'abandonne pas, on continue jusqu'à arriver à ses objectifs. Et ça, c'est important. Donc vraiment, prenez du temps, prenez un peu de temps tous les jours pour réfléchir à ça, pour savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait rêver. Prenez quelques minutes, vous pouvez fermer les yeux, prendre du temps le matin, vous posez un moment dans la nature, c'est important aussi, ça permet de s'écouter. Prenez ce temps-là et puis mettez-moi en dessous de la vidéo ce qui vous anime. Je suis sûr que ça vous aidera de le noter, de l'écrire, de le penser, de le clarifier.
Tout ça, c'est des choses qui, je pense, vous feront avancer. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci à tous de suivre la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire maintenant. À très bientôt. Excellente semaine. Ciao.